Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez superbement bien. C'est une nouvelle vidéo aujourd'hui. Et on reparlera encore des débordements de Koufa. Et on touchera un sujet, je dirais, que j'ai pas l'habitude de toucher. C'est concernant un buzz. Non, c'est pas un buzz. Concernant une situation dans une des communes, pour ne pas dire dans la ville de Bassam, où un roi se voit destitué de son trône. Donc, on va parler de ça, et on va parler aussi de l'effet des Bordeaux qui, comme un bon vin, se bonifie toujours. On se prend juste après le générique. Voilà, bon retour, chers abonnés. Permettez-moi de boire un peu parce que j'avais tellement envie de boire un jus de gingembre. Donc, permettez-moi de savourer ça avant de commencer la vidéo. Voilà, je peux me le permettre quand même. Ou bien. Et ça, non? Ok, cool. Merci, chers abonnés. Merci d'être toujours là. Merci de vous abonner. Merci de toujours poser vos likes. Merci pour les plus fidèles. Voilà, parce que l'algorithme de YouTube est devenu trop compliqué. Voilà. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai fait près de 2 ans sans faire de vidéo, mais franchement, c'est devenu très très compliqué. Mais on ne laisse pas. On est dedans. Qu'est-ce qui se passe à Bassam? Je vous laisse regarder la vidéo. Et après, je donne mon avis. Il n'est plus roi de Mossou. Ça finit. Il n'y a pas sa mort. Nous sommes. Vous venez de voir une population dans un village pas loin de Bassam, en train de, on va dire, de se mobiliser, en train d'exprimer leur mécontentement vis-à-vis de leur roi. Je pose le truc, le tableau. En fait, la situation, c'est quoi? La population dit que le roi ne respecte pas sa population. Voilà, le roi, chose, on va dire, profite de son titre de roi, de son autorité de roi, pour vendre des terrains qui appartiennent à certaines familles sans demander leur avis. Et c'est un roi qui n'aime pas communiquer avec la population. Et les jeunes de sa population, on va dire la population tout entière de ce village-là, je crois, c'est Mossou, non, si je ne me trompe pas, a décidé de le destituer. Et en pays à Caen, lorsqu'un roi se voit déchaussé, c'est-à-dire lorsqu'un roi se voit retirer ses sandales, automatiquement, et selon la coutume à Caen, il n'est plus roi. Voilà un peu le tableau. Et on va dire, voilà un peu ce qui se passe du côté de Bassam. Cependant, est-ce que c'est une bonne chose? Je ne saurais vous le dire. Mais moi, il y a une seule chose qui ne m'a pas plu dans l'histoire, c'est que ces événements sont arrivés dans un lieu saint. Voilà. Parce que je me dis que on peut
exprimer son mécontentement, on peut même vouloir destituer son roi. Mais je pense qu'on peut attendre que ce roi-là sorte de l'église avant de passer à l'acte. Parce que tous ces événements-là se sont passés dans l'enceinte d'une église et franchement, c'était vraiment, vraiment pas joli à voir. Voilà, parce que moi je me dis qu'il faut quand même respecter les lieux saints. Voilà, il faut toujours respecter les lieux saints. C'est vrai qu'on a la tradition, mais si on respecte aussi les lieux saints, je pense que ça nous donne plus de force pour mener notre combat. Et moi, c'est la seule chose que j'ai pas aimée et c'est la seule chose sur laquelle j'avais envie de revenir dans cette histoire. Sinon, puisque jusque-là, on n'a que la version de la population, de certaines personnes que vous avez vues dans la vidéo parler, on n'a pas vraiment la vidéo officielle, pour ne pas dire la version du camp adverse qui est le camp du roi. Je pense que c'est un problème qui se règle en pays à camp et ça se règle au village. Je ne sais pas si de facto le roi effectivement a été destitué et n'est plus roi de cette population-là ou qu'est-ce qu'il en est. Voilà, pour ceux qui ont des informations sur cette histoire, pourraient aussi nous les donner en commentaire. Voilà, moi franchement, je pense que c'est légitime pour une population qui estime que son dirigeant, pour ne pas dire son roi, les gère mal ou bien. Ne les respecte pas, ne les considère pas de les destituer. Ça, c'est légitime. Voilà, même en démocratie, ça se fait. Donc, je ne suis pas en train de dire aussi que ce que la population a dit, ou bien la version qu'on a sur les réseaux sociaux, est forcément la vraie, mais selon ce qu'on entend, je pense que c'est légitime qu'une population ou un village décide de destituer son roi, s'ils estiment que le roi ne joue pas son rôle, ne fait pas bien son travail. Voilà. Mais le seul bémol dans cette histoire, c'est d'avoir déchaussé ce roi-là, c'est d'avoir fait ce scandale-là dans l'enceinte d'une église, et ça, c'est vraiment pas encouragé, et c'est vraiment pas réjouissant. Voilà. C'est ce que je tenais à dire, vraiment, sur cette affaire-là. Donc, pour ceux qui ont plus d'infos sur le sujet, veuillez nous les partager en commentaire. On se prend pour la deuxième partie de la vidéo. La deuxième partie de la vidéo, c'est concernant la tige des Bordeaux. Je vous laisse regarder d'abord ce petit bout de vidéo-là, et puis on va conclure cette vidéo-là, parce qu'elle devient quand même longue. Coupez la fumigène. Coupez la fumigène. Donc on reprend. Les musiciens, on va reprendre avec le public. Ok. C'est ma tire. On y va. C'est ma maboutine, mais ça la vous avez vu. Si vous remarquez bien, c'est quelques titres de la tige des Bordeaux que les gens ont jugé qui n'ont pas marché. Mais quand vous voyez que la population de Kumasi, la population présente à la saison de Wam, scandait, on va dire chanter à l'unisson ces morceaux-là, ça vous dit que c'est vrai qu'on ne peut pas faire beaucoup de millions de vues, comme nous le souhaitons d'ailleurs sur les réseaux sociaux, sur YouTube, mais ta musique peut marcher. Et là, c'est une façon de montrer effectivement que l'artiste de Bordeaux est un artiste vraiment aimé, est un artiste qui est vraiment écouté, c'est un artiste qui a toujours la place, qui a toujours sa place dans la sphère musicale ivoirienne, et c'est un artiste qui compte. C'est un dinosaure, c'est un artiste de valeur, c'est un artiste de poids. Parce que comment j'ai vu ça, franchement, j'étais vraiment, vraiment content. J'ai dit, mais des Bordeaux, c'est quand même des Bordeaux, parce que c'est comme du bon vin, il ne cesse de se bonifier, et son impact sur la population, précisément sur la jeunesse, est vraiment perceptible, visible, et on peut bien le voir par cette vidéo que vous venez de regarder, là, pour dire que De Bordeaux est un artiste quand même incontournable de ce showbiz ivoirien, de cette musique ivoirienne-là. Donc, c'est avec beaucoup de fierté que je fais cette vidéo-là pour encourager les légionnaires, les fans de Bordeaux, à toujours soutenir leur artiste et à l'encourager aussi à continuer à nous faire sortir des nouvelles chansons. Voilà, c'est pour le plaisir des mélomanes, c'est pour le plaisir de ses fans et c'est pour le plaisir de nos oreilles aussi. Voilà, en tout cas, de Bordeaux, tu es quelqu'un aussi, comme on le dit ici dans le jargon ivoirien. Voilà, c'était la vidéo du jour, j'espère qu'elle vous a plu. Merci de vous abonner, merci de la partager et puis sachez qu'on est ensemble. On est ensemble. Voilà, je suis là, je vous laisse pas.